Yep les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Allez, c'est parti, juste après le générique. Et re les amis, donc voici la vidéo unboxing du Canon 200D. Franchement, un très 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 bon appareil photo. C'est un appareil photo d'entrée de gamme. Franchement, je l'ai trouvé à un prix, mais vraiment très 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 intéressant. Bien sûr, pour le prix que je vais vous dire juste après, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas d'objectif fourni avec. Je l'ai payé 289 €, et franchement, c'est vraiment un appareil photo qui est vraiment super pour rapport qualité-prix pour un débutant, quelqu'un qui débute en vidéo et en photo. Donc on va passer tout de suite au déballage. Alors nous commençons par le classique, les notices. Donc ici c'est une, je pense que c'est pour la comment, la garantie, donc une petite notice de garantie, voilà. Ainsi que le papier officiel pour la garantie. Donc ça, on s'en bat un petit peu les couilles comme d'habitude. Alors par contre ici nous avons le manuel. Alors le manuel c'est un mini dictionnaire, hein, franchement, parce que il regroupe pas mal de langues, hein, comme vous le voyez, ainsi que le français et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de langues, le français juste ici, voilà. Donc à lire, hein, bien sûr, ouais. Bon, ici je vous avoue, j'ai déjà commencé un petit peu le déballage parce que j'ai fait la vidéo juste avant pour l'achat du mois. Donc je vais vous remontrer vite fait ce qu'il y a dedans. Je vous rassure, tout est bien emballé dans chaque papier, dans des papiers bien bien divers. Donc normalement, en premier vous avez le chargeur qui est fourni avec son petit câble d'alimentation, voilà. Petit chargeur qui vaut une quinzaine d'euros si vous voulez en racheter un à part. Voilà, sur Amazon, c'est une quinzaine d'euros. Ensuite, il y a une batterie qui est déjà dans l'appareil photo, mais avant, je vais vous montrer. Donc, il y a la petite sangle qui est aussi emballée normalement, hein, voilà. Petite sangle, elle est quand même relativement grande. Donc, c'est cool. En plus, une petite imitation simili-cuir ici pour l'antidérapage. Enfin, antidérapant et tout, et qui apportera un certain confort au niveau du cou quand vous allez porter l'appareil photo en lanière, tout simplement. Franchement, très bonne qualité, hein, c'est la qualité Canon, hein, donc vraiment super qualité. Ensuite, nous avons, et bien sûr, l'appareil photo. Il y a la batterie. La batterie, je l'ai déjà mis à l'intérieur pour faire 2-3 petits réglages de base, parce que je ne peux pas faire de gros réglages vu que je n'ai pas l'objectif. Donc, nous allons déballer l'appareil. Et regardez-moi cette beauté pour 289 €. Franchement, il est magnifique. Mais vraiment magnifique. Voilà. Je vais vous montrer vite l'arrière. Il y a une bonne prise en main, vous ne tracassez pas. C'est vraiment super cool. Voilà. Alors l'objectif, ben, normalement, il se met ici. Donc je vais vous montrer vite fait. Quand on ouvre le truc ici, vous enlevez le petit cache. Et normalement, l'objectif vient se fixer ici à l'avant. Voilà. Au niveau technique et tout ça, je vous conseille d'aller voir des vidéos plus complètes, parce que moi je suis pas un expert en photographie et tout, donc je peux pas vous donner des détails de ouf. Je suis vraiment amateur de chez amateur, c'est pour ça que j'ai choisi cet appareil photo là. Parce qu'au niveau des réglages et tout, il est quand même relativement simple. Vous avez vraiment un accès, mais super cool, vraiment au niveau des réglages et tout. Je suis désolé pour les reflets, mais vous voyez, vous avez tous les réglages vraiment en portée de main. Vous avez aussi l'objectif qui est juste ici en dessous. Il est protégé par le petit cache, mais il y a un objectif et tout. Le truc très intéressant, c'est la griffe ici. Ça va vous permettre de rebrancher soit un petit panneau LED si vous tournez, vous faites des vidéos ou des photos la nuit, aussi éventuellement remettre un micro. Moi dans mon cas, ça sera ça ici dans mon cas. Je vais racheter un petit micro Rode multidirectionnel
Et puis voilà. Alors au niveau de l'objectif, je vais vous mettre un lien en description si vous êtes intéressé d'acheter cet appareil photo là. Moi ici je l'ai trouvé chez Van den Borre, donc c'est un site en Belgique. Bon, désolé pour les Français, j'ai regardé sur Amazon, l'appareil photo il est hors de prix, c'est juste hallucinant, il est à presque 400 euros. Alors qu'en Belgique, normalement, moi, je l'ai trouvé à 289 euros. 400 euros c'était le prix de base il y a à peu près un an. Et il y avait aussi une réduction d'Amazon, de Canon de 60 euros. Donc au final, vous le payez 360 euros. Et après, il est redescendu à 289 euros. Sans l'objectif, hein, je le rappelle. L'objectif, je vous conseille de commencer par un objectif un peu passe-partout, c'est un 50 mm. Je vous mettrai un lien en description ainsi qu'une photo ici dans le montage pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et allez voir sur Rakuten, il est à 95 euros, enfin 110 euros en livraison gratuite. Que sur eBay, il est à 130, je crois que c'est 122 ou 130 euros. Donc sur Rakuten, vous pouvez le trouver un tout petit peu moins cher. Après, allez voir sur d'autres sites éventuellement, style Cdiscount ou quoi. Moi, j'ai regardé sur Rakuten parce que je commande souvent là-bas. Et un petit peu sur Amazon aussi, mais sur Amazon il est un peu cher. Et franchement, au niveau du poids, ben je m'attendais à un truc vachement plus lourd. Ça va vraiment, franchement, il est vraiment cool. Un autre petit truc qui est vraiment super cool pour le prix, c'est son écran. Regardez la taille de l'écran, franchement, il est juste énorme. Je vais vous l'allumer vite fait pour vous montrer un petit peu quand même. Voilà, si j'ai assez de batterie. Bon, ici, j'ai pas carte mémoire, donc il m'a pas sauvegardé les réglages que j'avais fait de base, mais regardez. Franchement, au niveau de l'écran, il est quand même relativement clair. Vous voyez vraiment bien ce qui se passe. Donc, quand vous prenez une photo, ben, vous pouvez déjà pré-régler un peu l'appareil photo en fonction de l'écran et tout. Donc, c'est relativement cool. Pour déclencher la photo, ben, c'est tout simplement ici au-dessus. Ici, voilà, vous avez le petit bouton qui est juste ici. Après, ben, vous avez comment des modes de réglage juste ici au-dessus. Voilà, vous pouvez le mettre en mode TV, en mode paysage, en mode caméra. Donc vous avez juste la manette à tourner comme ceci et vous changez, je vais vous mettre comme ça, et vous changez en fonction par rapport à la petite ligne blanche qui est juste ici. Bon, par exemple ici je vais le mettre en caméra. Voilà, ici il est en caméra, tac tac, et je pense que j'ai plus de batterie. Voilà, ici il me dit qu'il n'y a pas de carte, hein, comme vous voyez, il n'y a presque plus de batterie en plus. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas de carte dedans. Mais en plus, de toute façon, son objectif, je ne peux pas vous montrer parce que je ne sais plus le nom. Le miroir ne pourra pas fonctionner sans son objectif, hein, forcément. Ouais, voilà, j'ai plus de batterie. Donc, je vais remettre charger la batterie. Bon, le petit bruit que vous entendez quand vous fermez l'appareil photo, c'est tout simplement, c'est normal, là, c'est tout simplement le cache du miroir qui se referme, tout simplement. Mais c'est un très 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 bon appareil photo. Par contre, j'ai vu un truc, un tutoriel, enfin c'est pas un tuto, c'est plus un conseil, d'un mec qui dit que pour avoir des objectifs beaucoup moins chers, il y a moyen de reprendre des anciens objectifs, donc des objectifs argentiques. Pour ceux qui connaissent les anciens appareils, les argentiques, c'est des objectifs à la base qui coûtent relativement cher. Mais sur eBay, il y a moyen de trouver des objectifs donc argentiques pas trop chers. Il faut juste acheter un adaptateur. Donc vous ouvrez en fait comme ceci. Donc vous enlevez le cache. Vous mettez l'adaptateur sur votre appareil photo et après vous pouvez fixer l'argentique, enfin l'objectif argentique dessus. Et des objectifs argentiques, ici sur la vidéo que j'ai vue, il a trouvé justement un 50 mm à 20 euros. Et l'adaptateur lui a coûté 10 balles, donc en gros pour 31 euros, il avait un objectif relativement correct. Bon, après, on pourra pas faire du 1080p, c'est de l'argentique, hein, donc voilà, c'est pas du numérique, hein, donc il faut passer attente à faire du 1080p si vous faites des vidéos et tout ça. Mais pour avoir un petit objectif relativement correct, pas trop cher, bah, il y a cette petite technique. Donc je vous invite à aller taper sur internet, donc sur par exemple sur YouTube, comment mettre un objectif argentique sur un appareil numérique, et vous verrez, il y a des petites astuces assez sympas. Moi ici je vais quand même prendre un objectif numérique quand même pour avoir des vidéos 1080p et tout, parce que moi cet appareil là je l'ai acheté principalement c'est pour faire des vidéos en extérieur et éventuellement quelques petites photos aussi. Et j'espère que j'aurai l'objectif assez rapidement, comme ça je pourrai éventuellement faire une petite vidéo
avec le jour de la rencontre abonnée et tout. Comme ça me permettra de me faire un petit peu la main avant. Je pense que je vais commander l'objectif normalement fin du mois prochain. Et comme ça, j'aurai le temps de faire déjà un petit peu des tests et des réglages. En même temps, ben, je vous montrerai en vidéo ce qui donne. Et puis après, ben, vous verrez en conditions, entre guillemets, réelles, le jour de la rencontre abonnée. Mais franchement, c'est un très 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 bon appareil photo. Rapport qualité-prix. Ici, j'ai sélectionné cet appareil photo en fonction de pas mal de vidéos que j'ai regardées dessus. J'ai regardé vraiment plein de chaînes de photographes et tout qui en parlaient. Donc, c'est vraiment un appareil photo multifonction. Il filmait en 1080p et il fait des très 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 bonnes photos. Bon, pour un photographe amateur et aussi, on va dire, un caméraman amateur, ben, c'est un bon compromis. Vous pouvez brancher, donc, comme je l'ai dit, un micro externe parce que sur le côté ici, vous avez une sortie, voilà, j'ai essayé de vous montrer comme ceci. Voilà, au-dessus vous avez la prise jack. Au milieu c'est la fiche USB pour le rebrancher sur la télé ou sur la, enfin sur votre PC plutôt. Et en dessous vous avez une fiche HDMI, mais c'est du micro HDMI pour rebrancher sur votre télé si vous voulez regarder directement les vidéos et les photos via votre télé. Et franchement, donc je le dis encore, 289 euros, c'est franchement un très 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 bon prix. Et puis pas très lourd aussi. Il y a vraiment une prise en main, mais vraiment magnifique. Et je pense que normalement le bouton pour déclencher, c'est juste ici. Vous voyez, c'est vraiment très ergonomique. On a accès vraiment à tout sans trop bouger et tout. Donc c'est franchement un très bon appareil photo. Je vous le recommande vivement. Si vous voulez vous lancer dans des bonnes photos, bon, pas forcément pro, mais aussi dans la vidéo. En plus, vous avez la fixation juste en dessous pour le brancher sur un trépied et tout. Donc c'est vraiment le top du top. Pour moi, 300 euros, ça reste correct. Bon, après, je rappelle, il n'y a pas l'objectif qui est fourni avec. Mais l'objectif, vous pouvez le trouver. L'objectif passe-partout, parce que le 50 mm, c'est vraiment un objectif qui est un petit peu idéal pour tout ce qui est photo et vidéo. Il fait un bon compromis entre les deux. Pour une centaine d'euros, donc au final, ben, l'appareil vous revient à moins 400 euros. Vous avez un appareil photo, franchement, mais une tuerie au niveau appareil photo. Après, je vous conseille si vous êtes vraiment intéressé, de le commander assez rapidement parce que c'est un appareil photo qui commence à devenir, à entrer en fin de série. C'est pour ça aussi que je l'ai trouvé à 289 euros au lieu de 400. Il était à 400 euros à peu près il y a un an. Et maintenant, il est à moins de 300 balles, donc c'est franchement très, 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 très intéressant. Je vous dis à la prochaine, les amis, et à dans quelques mois pour le petit test. Allez, c'est parti. Restez actifs, abonnez-vous, activez la cloche. Merci, ciao, ciao. Lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu.